Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On se retrouve pour la suite de notre aventure. Voilà, alors ne soyez pas déçus, il y aura beaucoup moins de morts dans cet épisode. Oh. Ouais, faut se refaire un peu là. On s'est un peu refait déjà. Mais ouais. Moi j'ai monté un peu la mécanique là. Attends, on a j'arrive à changer des ampoules de l'ambulance, le père Slan, mais... On vient de passer 2h30 à faire de la course pour remonter les points. Ouais. Et de la cuisine. Il n'y a plus rien dans le frigo, il a tout cuisiné, tout mangé. Et c'était bien chiant à faire, on aura bien ras le bol. J'ai ramené les canonciers. Ouais. Allez. Alors c'est pas mal. Moi je veux vraiment m'améliorer au niveau des véhicules pour pouvoir les réparer, les remettre en état et tout. Puis après, je vais arrêter de mourir. C'est marrant, j'entends ça depuis le début de la série. Ouais non, mais là, c'est fini, là, maintenant. De toute façon, là, je la monte pour de bon. C'est le truc qu'il a envie de faire, mais... Là, il y a tous les livres, je veux le faire, je vais le faire. On n'a toujours pas les livres qui nous manquaient, cela dit. Non. Non, effectivement, on les a pas. J'arrive plus à... J'ai plus le droit de partir en expédition pour chercher ça, tiens. Moi, je veux bien, Je vais venir avec toi. Ça m'occupera un peu, chercher des bouquins. Moi je veux bien, hein. Katak, tu veux qu'on parte en expédition ? On peut. On fait quelques baraques, on part avec pas mal de sacs, puis on vide des baraques. De toute façon, pour où on en est. Putain de saloperie. Je connais une grosse baraque au nord-est. Ouais, je vais fuir tes plans, toi. Je précise pour ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas du tout en train de tourner à minuit. Hein. Non. Non, il est 2h30, mais c'est pas grave. Alors, il y a un sac de plate là, t'avais raison. Ouais. Intéressant. D'ailleurs, j'étais maire de la ville, mais du coup, je le suis plus. Ah non, t'as été déélu. Ce rôle revient au dernier survivant. Déélu par la majorité des zombies. Ouais. On a même plus de couteau de chasse, hein. Il nous faut vraiment d'équipement là. Ouais. C'est normal, on meurt avec notre équipement sur nous. C'est clair. Il y en a des couteaux de chasse quelque part sur nos cadavres. tu vas avoir 50 zombies armés de couteaux de chasse. Ah. Je pense qu'on a retrouvé nos cadavres. C'est clair. Bon, on se fait une expédition. Est-ce qu'il nous reste des voitures qui roulent ou est-ce que t'as tout rasé, Slan? J'ai rien touché, j'ai à peine abîmé la noire là. On a entendu. Et d'ailleurs, je mets toutes mes affaires dans le coffre de la noire. Tes affaires? Ouais, quelles affaires? Bah, mes affaires de bricolage. Pourquoi tu fais ça? Parce que je vais continuer à m'entraîner dessus. Encore. Elle va pas rouler de toute façon, celle-là. En théorie, non. Bah, ça dépend si on a d'autres voitures capables de rouler. Mais on peut aller en chercher des bagnoles capables de rouler, ça. Bon, il est 8h du matin, on va peut-être décoller du coup. On y va, ouais. Ah, j'ai plus de montre, tiens. Hop. Il y en avait qui traînaient quelque part. Je fumais un petit truc. Ah ouais, normalement, elles sont dans les caisses à côté de la cuisine. Là. Moi, j'en avais caché. Je crois que. Après, on les a peut-être toutes prises. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a plus. Bon, est-ce que t'as réparé la voiture qui était devant pour qu'on puisse. Alors, à vrai dire, j'ai pas réparé grand chose pour l'instant. D'accord. Ouais, il a plutôt démonté qu'autre chose, quoi. J'ai démonté. Qui c'est qui a la clé de l'ambulance? Elle est dans la boîte à gants. Ah non, elle est pas dans la boîte à gants. Slan? Non, moi j'y ai pas touché. Slan? J'y ai pas touché du tout. À vrai dire, j'ai zéro clé. Bah c'est pas possible, il faut que les voitures soient ouvertes pour pouvoir... Alors elle doit être sur le compteur, non? Hop, et la clé dans la boîte à gants. Ouais. Ah bon? La porte. Bah si c'est pas toi, c'est Katox. Si c'est pas Katox, il y a problème. Bah moi j'ai mis les clés dans la boîte à gants. À mon avis, il y a quelqu'un qui est mort avec les clés dans la main, et puis voilà. Bah non, mais c'est pas possible. Voilà. Moi, j'ai pas de clé, hein. LOL. Mm-hmm. Je suis pas rentré dans l'ambulance, donc.
T'es sûr que t'as pas pris les clés? Parce que vu qu'il faut les clés pour réparer, elle serait pas toute seule foutue dans ton inventaire ou... Alors, non, mais par contre, s'il a pas mis les clés dans la boîte à gants, mais sur le siège passager, elles sont posées par terre sous l'ambulance au moment où tu montes dans le siège passager. Non. Moi, je vois rien. Du coup, je prends une autre voiture et je pousse l'ambulance, c'est ça? Mauvaise idée. On prend un autre véhicule. On fera sans l'ambulance, hein. On a la voiture qui est là et la on a les deux blanches là qui sont roulantes. Bon, elles sont pas en super état, elles ont pas de feu notamment. De toute façon, moi j'ai jamais su où vous cachiez les clés de voiture, donc. C'est interdit en même temps pour toi. Mais je sais bien, mais la noire, j'arrive à la bricoler, j'ai pas la clé de la voiture, hein. Non, mais ça doit être juste qu'elle doit être ouverte, sûrement. Ah, je pense, ouais. Il nous reste une clé de radio van qu'on n'a pas. Parfait. Ah, mais il y a un radio van sur le parking, hein. C'est normal qu'elle soit ouverte, la porte de la base? Ah, je l'ai pas refermée en partant, ouais. C'est pour sortir les voitures. Il est parti, Damned. Bah, j'étais juste allé voir sur mon cadavre que j'ai envoyé aux zombies tout à l'heure si j'avais pas quand même la clé de l'ambulance sur moi, mais non. Ah, bah, c'est sûr que. Mais ça m'étonnait parce que je suis pas rentré dedans donc. Sinon, je trouve qu'elles étaient roulantes les voitures dehors là. Ouais, elles sont roulantes, y'a une clé là. Voilà. Bon, les feux se sont fait dépouiller. Et toi, Katox, t'as pas la clé non plus? Non, j'ai checké partout. Bah, alors ça. Arrête-toi, voiture. Ouais, en plus, elle trace celle-là, ça peut être bien. Ouais, arrête bah, le moteur. Je suis le parking du supermarché, y'a pas grand monde hein. Cette voiture-là est roulante si vous voulez. Laquelle? Celle bah, qui est juste devant. C'est pas comme si on avait le choix. On a plus de véhicule. En plus, le plan est fait. Voilà. Bon, bah, on est parti. Bah. Pas comme si on avait le choix. Allez, roule. On va où? Bah, on va où? Bah, c'est pas comme si on avait le choix. Le mec blasé quoi. T'es sur le parking, Slan, c'est ça? Et ouais, c'est aujourd'hui. Maintenant, bon, je suis sur la route. Le choix. C'est ça. Check les bagnoles. Sur la route. Où est-ce qu'on est parti? Bah, c'est pas comme s'il a eu le choix. Je suis au carrefour. Ça va être la tête de l'épisode. Je suis au carrefour du food market. Bah c'est pas comme si dans la rue principale, y'a personne, y'a zéro zombie. C'est pas comme si on avait eu le choix. Ah mais non mais en fait il est complètement parti loin. Mais il est parti... Attends, le food market il est par là-bas je crois. Les petits dérapages de cette voiture c'est beau. Je suis dans la rue principale hein, de toute façon. Je suis devant la mairie maintenant. Bah tu la ferais rouge et... Food market... Mairie, c'est bon, t'es derrière moi. Écrase-le. J'essaie justement de pas l'écraser, mais il continue de courir ce con. Bah, pour pas que tu m'écrases. Bah, c'est pas comme si on avait le choix. Alors, dans ces endroits ici. Attends, ouais. Bouge pas, je descends. Dans ces endroits ici, y'a pas mal de bouquins. Parce que ça s'appelle quand même une bibliothèque. Une quoi? C'est moi qui dois dire une quoi? Hein, Damned? Une bibliothèque? Une énigme. Ah j'ai fouillé cette bibliothèque plein de fois. Tout à fait, mais on n'avait pas la liste. Et juste ici à gauche, on peut monter aux étages dans les dans des appartements. Où on trouvera pas mal de trucs. Pourquoi tu peux pas mettre des coups de couteau toi? Qu'est-ce que tu fais? Où ça? Dans la petite porte à côté là? Voilà, il y a plein de trucs ici. Là, la bibliothèque. T'es parti trop loin. Je crois que c'était là qu'il voulait dire. Attends, j'essaie de... Ouais, il y a du monde du coup là. Besoin d'aide pour regarder les... Ah putain. Merde, je saigne, je suis égratigné, putain. Oh merde. Mais c'est pas vrai. Bah si, je l'ai pas vu sur le derrière moi en fait. Mais il faut te faire protéger, faut pas être tout seul. Bah c'est pas comme s'il avait le choix. Exactement. Il est où? Il est mort. Il est mort. Ça c'est la prochaine option ça. Clac, pourquoi il est là-bas? Bah attends, j'ai eu peur, il m'a fait peur putain. Et la bibliothèque est à l'opposé? Non mais il fuyait pour pouvoir se bander tranquillement. Exactement. C'est sûr que se bander n'est jamais quelque chose de facile à faire. Il y a des médocs hein, pour ça. Hein. C'est fini, oui. Bon.
Alors. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut comme livre? Ouais, je vais tous vous les dire, mais vous allez pas retenir. Agriculture, maître, électricité, expert, menuiserie, maître, pêche, intermédiaire et maître, recherche, intermédiaire, avancée. Agriculture, maître, je l'ai. Hein? Agriculture, maître, je l'ai, tu peux l'enlever. Pareil pour la pêche intermédiaire. Agriculture, maître, je l'enlève. Pêche intermédiaire, il manque maître, ok. Recherche intermédiaire avancée. Piège avancé expert. Métaux maître et premier secours maître. Impression qu'il n'y a pas plus grand chose. Piège, c'était pas intermédiaire. En gros, tous les trucs pour les nuls, on les a. Ouais. J'ai piège intermédiaire, mais ça en avait, je crois. Et le seul intermédiaire qui manque, c'est recherche. Ouais, recherche. Et sinon, c'est que des experts et maîtres après. Quelqu'un et un avancé. Moi, chez le dentiste. J'arrive. Cool. Faut aussi. Tenir la main. Tout à fait. Je vais peut-être récupérer un petit. Pantalon. Il y a du bon là. Non, parce que voilà quoi. Putain, mais. Oh, le signe. Mais ouais, mais c'est mon mec, il fout des coups de couteau dans le vide là. C'est chiant. On n'arrive pas à la tuer, elle. Bah, quand même. Tu vois que je suis pas complètement naze. Il voulait pas mourir. Bah, attention aux zombies derrière. Coriace la barbare. Une queue de billard chez le dentiste. C'est douteux. C'est pour retirer les couronnes. Ouais, c'est 1, 2, 3 et tac. Ah, le pied de biche aussi chez le dentiste. C'est pas mal ça. Ça, c'est pour retirer les appareils orthodontistes. Ouais. Bon, alors là, on arrive dans les endroits où il y a les apparts après. Bien collé sur les dents là. Faudra monter pour les apparts. Hein. J'ai le travail des métaux experts. Allez, on est 3 en haut. Travail du métaux expert, oui. Maître, pardon. Zombie, dans la. Faut pas fouiller les apparts, vous avez pas tué les zombies. Y a des planches au sol si tu veux. Non, mais les planches, on a pas besoin. Par contre, les charnières de porte, on peut prendre. Tout à l'heure, t'avais besoin, mais. Ouais, c'est pour faire une attelle, ça. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. C'est gentil, ouais. Et si, il y a un grand sac de randonnée. Ah! Génial! Il y a un zombie qui vous poursuit là. Ouais, il est là. Il s'est fait mais exploser. Ouais, je crois, ouais. Il y a un jeu de cartes et des somnifères. Bon, moi je vais travailler des métaux experts, on a dit non. Hein. Ah, je suis quand même égratigné, hein, ça pue ça. Chiffon sale, comment... je peux pas les laver? Bah merde. Bah non. Attends, dans la salle de bain il y avait des bandages, je crois. Ah bon? Il y a de lentilles en dessous. Non? Ah non, des somnifères, autant pour moi. Mais sinon, il y a le dentiste, ouais, le dentiste il avait plein de bandages. Le dentiste il avait tout ce qu'il fallait, ouais. Ouais. Bah j'y retourne alors. Lui pour le coup, y a pas de soucis. Bah j'ai pas fouillé, j'ai pas vu où c'était alors. C'était où à l'accueil? Non? Non, c'était dans une des pièces de travail. Ah ouais, c'est bien ça, flacon désinfectant, parfait. Le piégeage pour les nuls, on a pas besoin de nuls hein. Ah mais putain, tu peux me foutre la des trucs paix, pour les nuls. Pardon. Non, y'a plus besoin de. Aïe. J'ai entendu comme un bruit d'égratignure. Non, j'ai pas été égratigné. Bon, je reste à la porte. Confiance. Est-ce que quelqu'un. Bon, je reste en haut d'escalier moi. Pourquoi faire? Bah parce qu'on arrête pas de se faire envahir par des zombies. Et pourquoi faire? Bon bah je reste pas alors. Ok. L'électricité avancée. Électricité, recherche. Non, c'est expert qu'il faut. Recherche expert, c'est fallait. Recherche expert, non, il manque intermédiaire et avancé en recherche. Oh, Taki Walkie. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut chez lui. Hein. Même des antibiotiques, pas mal. Oui. Il y a une bougie, ça y est, on va pouvoir réparer la bagnole. Arrêtez-moi d'en douter, monsieur. Putain, c'est grand chez lui. Attends, y'a pas de bibliothèque dans cette maison, fait chier. Ah, y'a 3 bibliothèques côte-côte là. J'ai piqué la pharmacie. En avancée, qu'est-ce qui manque? Alors. Il manque. Je veux. En avancée, il en manque 2, c'est recherche et piège. Ok. Intermédiaire, il en manque 15, c'est recherche. Ok. Et après, c'est soit des experts, soit des maîtres. J'ai recherche expert, là. Recherche expert, mais non. Lui, c'est intermédiaire ou avancé, recherche.
C'est un des seuls. Ouais. Qui a déjà le maître expert. Dans la salle de bain là. Oula. Et qui est-ce qui a tiré un coup de feu? C'est un event. Oh merde. À mon avis hein. Je sais pas qui a fouillé quoi mais... Sac de randonnée, je crois qu'on n'a pas besoin hein, si. À vitesse où on meurt. Prenez tous les petits appareils électroniques hein. Ah bon? Quand c'est pas lourd, ouais. J'en ai surpris un à bouffer des restes dans un frigo qui était éteint depuis quelques jours. Ouais, c'est encore froid dedans hein. Les légumes et tout, ils sont pas pourris hein. Ouais, là je suis en train de tout prendre là. Bah tôt ou tard, vu comment avancent nos plants de tomates, je dirais qu'on aura besoin de bouffe. Hein. Ils sont pas frais nos plants de tomates. Il leur faut des plants pour pousser. Hein. Tu l'as vu quand le soleil déjà pour commencer? Bah on le voit jamais dans ce jeu le soleil. Voilà, donc déjà tu vois pas le soleil, donc quand tu vois pas le soleil, les tomates non plus. Hein. Ouais mais je veux dire le soleil il existe pas même quand il fait beau dans ce jeu. Bah il y avait des balles là, vous les prenez pas les balles? Qui s'est fait croquer? Les balles de 223, on n'a pas ce qu'il faut, non? Ouais, mais tu peux enlever la poudre. Ah. Qui c'est qui s'est fait croquer? C'est pas moi. Katox? Je vérifie, 30 secondes. J'ai entendu un crrrr. Ah, il est en train de buter tout ce qui passe. Ouais, c'est Katox. Obligé. Je suis encore trop chargé, moi. Non. Bah alors, il y a eu un crrrr et il y a rien eu. Très bien. Par contre, il m'a abîmé mon vêtement. Ouais bah c'est bon, on est dans un magasin de vêtements. D'ailleurs je vais tout changer moi, allez hop, à poil. J'arrive. N'importe quoi. Ok Tox. Ah bah d'accord, ah bah bravo. Ah non pas bon. On est venu faire le plein de provisions là. Bah tu permets, je change de vêtements. T'inquiète, je vais te faire le plein. Oh. Oh non mais sérieux. J'ai pris une bouilloire, hein. C'est la classe. T'es fin, ça se mangeait sans fin, ça. Ouais, ça. Alors c'est bien, j'ai pris des chaussettes, mais on peut même pas les mettre, les chaussettes, ça sert à rien. Aiguille de suture, ouais, très bien. Chaussettes. Ouais, les sous-vêtements et tout. Chaussettes. Chaussettes. Bordel, vous allez me le donner, mon niveau. Ça y est. Bon, j'ai plus d'armes, hein. J'ai un nouveau look, j'ai la classe. C'est le nouveau look. Nouveau look pour un nouveau perso. Oh, il a bien pourri ce véhicule là. T'es dehors? Oh. Vous m'avez pas laissé tout seul dedans hein. Non. Une batterie de véhicule type résistant, ça t'en fous ou... Non, mais de toute façon, les véhicules faut y aller avec de quoi porter. Hein. Tu sais, tous les trucs pèsent 15 hein, donc. Ah, ça pesait bon. 5, mais. Ah, j'ai tué un prof, il avait un fil rouge. Ça fait chier. J'allais trouver d'autres bibliothèques, mais. C'est une clé en croix, une pompe pour pneus, ouais. Non, j'ai du dentifrice. Oh, j'ai de la laque. Oh, du saumon cru. Croc. C'est safe, vas-y. T'en fais pas. Arrête d'essayer de tuer les gens, Slan. Non, c'est pas vrai. C'est avec de la nature, moi. Y'a une poupée par terre. Vous avez laissé une poupée toute seule par terre. Et pourquoi pas. Bon, il y avait rien dans le salon de coiffure étrangement. Putain, mais ce véhicule il est plutôt en bon état, il y a de l'essence, et bien sûr il n'y a pas la clé. Bah non. On charge des véhicules alors du coup? Je sais pas. Bon, normalement on charge des bouquins mais... Alors ici ah, on cherche. Et y a pas une case quelque part où tu pourrais t'amuser Bah si, mais de toute façon je vais aller me balader pour monter ma ferronnerie sur la route là qui mène à la ville d'où on vient. Et démonter une gazinière four pour le site. Mais si, y a plein de trucs à faire de toute façon pour progresser, mais là je suis pas venu pour progresser là. Oh, un beau frigo rouge, il aurait été plus beau que le nôtre hein. Il était trop beau, l'amène hein, si tu veux la maison hein. Bah on a un beau frigo rouge. Ah, il y a du poulet pourri par terre. Ah oh, putain, j'ai trouvé un endroit, il y a plein de pâtisseries, mais tout est pourri.
Ah, la c'est tristesse. Triste. Ici, il y a plein de conserves. Et par contre, il y a aussi un zombie qui va me tuer. Ah non, il y a des trucs qui sont pas pourris. Il y a des cupcakes qui sont pas pourris. Ouais, bah. Oh, vas-y. Des cupcakes. Faudrait que je bonne chance. Fasse. Bah, c'est pas marqué coupe pourrie donc. Ah, si c'est pas marqué, hein. Tu veux me faire douter, c'est ça? Normalement, il y a plein de trucs ici dans cette maison là. Si jamais tu me dis où t'es, et puis je peux toujours jeter un œil, voir ce que ça donne. Hein. S'ils sont pourris ou pas. Mais... Bah, je suis à droite de l'arrière. Je suis à l'arrière de des maisons où vous êtes. Il y a d'autres maisons. Il y a un petit parking et d'autres maisons. Bah, là, il y a des pâtisseries. T'es passé par où? T'as longué, je suis sorti et puis par l'arrière, ouais. Il y a du beurre cacahuète, tu fais le manger. T'as dog food. Ouais, il y en a partout, ça, des dog food. On y viendra au dog food. Le petit parking. Alors. Tu le vois? Je suis sur le petit parking. Ok, je te vois à la fenêtre derrière toi. Tu regardes les maisons qui sont là, bah tu passes par les. Ouais. J'ai vu fugitivement un damné de la fenêtre. Bah, c'est cette maison-là, tu rentres par l'arrière et tu verras, il y a des pâtisseries. Alors, il y en a des pourries, il y en a des pas pourries. Rez-de-chaussée, les deux premières. Ampoule, casserole, bouilloire, une bouilloire. Bouilloire, viens la bouilloire. Sur les présentoirs. Alors, ah ouais, j'avoue, il est classe le frigo rouge. Bon bah moi je suis à la petite station service. Est-ce que vous voulez venir? J'arrive. Pour faire quoi? Se regrouper, histoire de pas être tous séparés. Ah ouais? Je cherche des objets là. Et pour quoi faire? Pourquoi faire, Manu? Tu dis ça. Il y a plein de morts. Y a quelques trucs utilisables, mais pas grand chose. Ah, il y avait des chips. Non. Oh, un pistolet, dites donc. Du vinaigre. Oh. Et des antidépresseurs. Attends, faut que je prenne. Je viens de fouiller la baraque là, l'appartement. Ah putain, il y a un couloir, vache. À partir de combien de pilules on commence à se sentir mieux? 14. 5. Selon 6, la légende, ouais. On bouffait un petit truc comme ça, voilà. Hop. 7. Je crois qu'il y aura pas assez, hein. Ça a l'air de se vider. 8. 9. 10. Il y en avait que 10 dans le tube, il m'en faut. Bah, faut prendre 2 tubes. T'as jamais vu les films où ils prennent à chaque fois 2 tubes de trucs? Bon, elle est où la station service? Bah, t'y étais passé tout à l'heure. Ah bon? Ah ouais? C'est bon. Non, mais y a rien en fait dans la station service, vous l'avez vidé. C'est tout. D'accord. Bah alors vous êtes tout maintenant. Tracé pour rien. Ah si, parce qu'on va y aller ensemble maintenant. Ok, on se retrouve là-bas alors. Regrouper. Bah je peux peut-être emmener la voiture là-bas, non? Oh non, quel intérêt de rapprocher les choses. Katak, c'était là il y a 2 secondes, il est déjà plus là. Allez, suis-moi d'amener dans la voiture. Est-ce que l'un de vous a une arme quelconque? Oui, j'ai un couteau de cuisine. J'ai une hache et un pistolet. C'est celui dont tu te sers? Non, j'en ai trouvé plusieurs. Ah, je veux bien là. J'ai un pistolet, je peux le tester si tu veux. Je sais pas s'il y a des balles dedans. Normalement, ici, il est censé y avoir des appartements au-dessus. On pourrait trouver des trucs sympas, je pense. Mais ici, c'est où? Bah, je suis au coin, là, de la toujours station. Toujours pareil, hein. Ici, c'est où? Hop, attends. Tu peux préciser ici? Merci, chef. Ouais, je veux bien que tu précises ici. Ah bah, ils sont là. Coucou. Ah ouais. Ici, c'est pas là. C'est simple. Allez, on fonce. Bon bah finalement je devais pas être... Je suis égratigné mais bon ça a l'air d'aller. Ah tu mets longtemps à mourir quand t'es empoisonné. Ouais surtout égratigné, ouais ça prend beaucoup de temps. Même quand il marque état général du corps, ok? Ça veut rien dire. Mais oui t'inquiète pas. T'as 16% de chance hein, normalement. Fais gaffe, y'a un zombie qui rentre derrière toi... Katox. Bah, je crois qu'on devait aller à une station. On va faire les apparts là-haut. Ah faut qu'on s'arrête là. Bah attends je vais me garer. C'est bon d'amener le moteur. Il y a des tapis magnifiques. Des tapis magnifiques. Mais écoute. Attends, je vais voir, il y a un petit van en bas à droite. Je regarde si. Je fais quelques véhicules en attendant. Je vous laisse. Je suis content, j'ai trouvé un couteau de chasse. Tout le monde a un couteau de chasse chez lui. Des petites allumettes, je pense que ça fera pas de mal. Des cerises. Oh, des cerises, c'est bon ça, les cerises. C'est bon. Est-ce que c'est la période? Non, parce que si elles ont été importées du Pérou. Ah, c'est bien ça, une voiture avec la clé dans la boîte à gants. Par contre, il n'y a pas beaucoup de. Ah, c'est ouais, bien pas ça. D'essence quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de. Comment ça s'appelle? De bibliothèque dans ces apparts. Ouais. Bon, là on a un véhicule, mais. Il faudrait une jerrycan.
Ah bah là il y a des trucs à bouffer. Jerrycan, j'en ai une mais elle est vide. Bah donne, je vais la remplir. Tu pourras pas, son électricité à la pompe. Ah, y'a plus de courant. Ah bah non. Ah ouais, putain, c'est relou ça. Ah oui. Il faut faire comment? Y'a aucune bibliothèque ici dans ces apparts, c'est nul. Ouais, c'est vrai. Faut trouver un générateur et le brancher sur les pompes. Ça c'est facile, je sais où y'a des générateurs. Vous voulez qu'on aille chercher un générateur, le brancher sur les pompes? Ouais, mais non, mais vous êtes en train de dire qu'il faut un générateur pour avoir de l'essence pour lancer le générateur pour pouvoir exactement brancher le générateur. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc on est bien d'accord qu'il faudra un générateur et de l'essence et aussi éventuellement ne pas oublier de couper le générateur en partant. C'est galère ce truc. Mais il y a un truc qui décartonne dans votre manière de penser là, je tiens à le dire. Bah, tu siphonnes ta voiture le temps de lancer le générateur. Ouais. Est-ce que par hasard, problème. Aller visiter les maisons bourgeoises? Il y a pas mal de trucs dans les maisons bourgeoises. Ah, faut avouer que là, je sais pas si c'est parce que c'est pas des maisons c'est bourgeoises. Celle-là, Slan. Bah là, c'est un motel en fait, c'est pour ça que t'as pas grand-chose. Hein. C'est ce véhicule-là que j'ai trouvé, mais. Qu'est-ce qu'on fout dans un motel? On peut me dire. C'est le commissariat de police, on l'avait fait? Oui, je crois. Ouais, ouais, il était fait. Celui-là? Il me semblait qu'on avait pas réussi à rentrer, non? Bah, c'est plein de cadavres et c'est ouvert partout alors. Ah, bah là, on l'a fait. Tout est pété. Alors on va faire nos maisons bourgeoises ou pas? Allez, viens, Slan. On va se faire une virée dans la bourgeoisie. Ok, j'arrive. Attends, à la voiture marron pourrie? Je suis à la voiture marron. Hein. J'arrive. Je sors du commissariat. J'arrive. Attends, je regarde s'il est sur lui. Là. Attends, je prends son portefeuille. Attends, je vais peut-être couper le moteur le temps que vous arriviez parce que. Ça fait tellement bagnole de mafieux quoi! C'est clair! Ouais, bon, il nous en manque un, Macatox! J'arrive! Si on pouvait arrêter de te laisser derrière! Macatox, oh, tu te ramènes ou quoi? Bon, allez, Catox! Tu arrives ou je viens te chercher, Catox? T'es où? Là, je suis dans une première maison bourgeoise juste au-dessus des pompes à essence. Dépêche-toi! Elle est bonne! C'est celle avec les garages qu'il faut aller voir! C'est où la pompe à essence? Dites-moi! Gauche! Gauche! Ça c'est droite. Ah non, ça c'est gauche ça. Non mais ça c'est à gauche de ta voiture, je voulais dire. Quand tu conduis, je te dis tourne à gauche, tourne à droite. Non mais... Voilà. En haut. Tu sais qu'elle a un sens la voiture. Pas comme si on avait le choix. Il a dit que c'était au-dessus, donc c'est tout droit. Voilà. J'attends une voiture. Gauche. Normalement stop. Il devrait être pas loin. Bah là je suis à la pompe à essence. Ah bah t'es redescendu, ok, c'est bon, bah, je remonte, c'est pas grave, c'est pas grave, ça me prend 5 secondes moi de traverser la forêt. Mais pas de coup de hache dans la voiture. Ah parce voiture, que tu, hein. Quand on te cherchait, toi tu passais par la forêt pour être sûr qu'on te voyait. Par contre... Mais non, je t'attendais à la pompe à essence. Dans le journa... dans le zombie, y'a pas de problème. Ok. Bon, les maisons bourgeoises, c'est pas celle-là. Hein. Mais du coup, vous êtes où? Prends la voiture du coup. Bah on est un peu plus haut. En haut à droite. De la pompe à essence ou de la maison? Ouais, de la pompe à essence. Avec la clé, lui. J'ai pas confiance en toi, Slan, qu'est-ce que tu crois? Mais qui prend le temps d'enlever la clé en sortant, quoi? Bah, j'éteins le moteur, je suis pas con. Bon, faut que je klaxonne pour que vous arriviez ou pas, là? Ça va déjà klaxonne un coup, là, parce que... Et on va où, là? Je sais pas, il paraît que c'est pas là, les mecs. Oh, mais Katox, il traîne! Bon, on y va sans Damned, hein, c'est bon, de toute façon, il a dit on pouvait tourner sans lui, go. Mais va crever. Ma place. Y'a un zombie qui arrive. Fallait bien que quelqu'un prenne la place du mort quoi. Bon, je vais où? Je sais plus, on est à gauche. Mieux, non, ça, mieux. C'est droite, ça. Mais ça c'est non, droite mais... hein. Eh, mais tout à l'heure c'était la gauche ça, tu fais chier. Mais c'est gauche par rapport à quand tu conduis. Ah là là, c'est insupportable ce mec. Par mais là, non, mais c'est... Non, ça c'est tout droit là, ça. C'est tout droit du coup. C'est... Attends, c'est quand tu conduis, quand tu dis à gauche, tu tournes ton volant, quoi. Oh là, c'est ça, ça sera droite, ça sera le même en direction, mais ça sera droite ce coup-ci. Voilà, parce que t'arrives de l'autre côté. Très bien. Et là, c'est droite. Donc, ça sera à gauche de l'écran. Oh putain. Oh là là, mais c'est à droite de la voiture. Ah, quoi. C'est pas moi d'amener, on est d'accord. C'est qui crie là? Voilà, bah on est arrivé. C'est voilà, c'était la maison d'à côté. Ah, c'était génial tout ça pour ça. Ah, ah la vache quoi. Et donc, dans ces maisons là, il y a deux étages et surtout il y a des garages. Et dans les garages, il y a des générateurs, comme par exemple ici.
Ouais, exact. Et comme j'ai lu le bouquin pour m'occuper des générateurs, j'ai pris le générateur. Il ne manque plus que de l'essence. Ah, on peut avoir les piles dans les... ça c'est cool ça. On peut peut-être siphonner la... Il faudrait que quelqu'un me protège parce que quand je porte le générateur, je ne peux plus rien faire. Et bon, c'est bon. Et bah ouais, mais si tu nous préviens pas, comment tu veux qu'on sache? Bah oui, non mais... Je le dis, t'inquiète. Je suis monté à l'arrière de la voiture et je ne fais rien. Je commence à comprendre comment on utilise la hache. Damned, c'est toi qui... Ah non, j'ai pas eu le temps de te... J'ai soif. Javel, on peut boire ou pas? Non, hein. Ouais, tu peux. Je dirais non. J'espère que tu me dis pas de la connerie, hein. Tu voulais quelque chose, Katox, pardon? Ça m'a rendu triste, hein. Ça t'a rendu triste? Pfff. Pas grave, bois en plus. Grosse dépression. Oh putain. T'es rentré, là, ouais? On n'est pas aidé, moi, ouais. Je vous le dis, hein. Batterie de véhicule type sport. Des ampoules, je prends des ampoules pour monsieur, là. On va pas poser le générateur parce que moi je vais y aller à pied sinon je suis bloqué. Bon, ça va, on y va. Pourquoi tu veux pas le... Pourquoi tu le fous pas dans le coffre et tu vas faire autre chose? On peut pas poser un générateur. Ah, on peut pas poser un générateur. Bah, faut le... Non, si je le pose, il va se retrouver par terre sous la bagnole en fait. Mais pourquoi vous criez sans cesse? Bah, comme ça, on est sûr que... le signe arrive tout de suite. Bah, ouais, il nous entend comme ça. Du coup, on va où? À gauche ou à droite? À la pompe à essence. Voilà, et après, on ira chercher de l'essence. De la 12 combien? Mais peut-être qu'il n'y a pas d'essence dans le générateur. Bah sinon on va direct à l'autre, c'est pas là, hein. Bah si, bah, c'est de la convient. Tu me dis voilà. De la convient, non, c'est si, pas... oui, si, par là, et puis tu redescends. C'est le tour du pâté de maison en fait. Oui, mais c'est pas grave. D'accord. Bah, non, ouais, en fait, du coup, la pompe à essence. Tu me dis d'aller là où on vient. Donc là, c'est voilà, oui. Je vous demande de vous arrêter. Ok. Mais sinon, tu pouvais aller tout droit et faire juste 3 mètres, voilà. Oui, mais ça enlève du... Ah, ça c'est sûr, c'est pas pareil. Tu m'as dit. Là où on vient, hein, moi je... Voilà. Je vais de là où on vient, mais pas par là où on est passé. Bah. J'ai envie de dire, il y a un épisode, on était tous au mall en train d'en chier, et là on fait la mission pépère, on met le générateur dans la voiture, on est 4 à la station service pour un zombie qui arrive. Attention, zombie. Ouh. Voilà. Bon, il est branché. Bon, il est rempli. Eh ben, on peut prendre de l'essence. Je prends. Oula, il y a du monde d'un coup. Oula. Bah, j'ai débranché un générateur. Ça fait ça du se bruit. Voit. Ah putain. Mais est-ce qu'on a des trucs pour remplir l'essence là tout de suite? Bah, j'ai un jerrycan, mais et là j'avoue que je nettoie, hein, mais bon quand même. Ah, la rage que j'ai. Ah. Je sais pas si mes attaques ont été filmées, mais j'ai fait un bain de sang. Oh le bordel. Bon, j'ai un jerrycan d'essence, je sais pas du tout. Il faudrait remplir la bagnole au moins aussi. Bah, la bagnole elle est quasiment pleine, mais éloignez-vous, je vais manœuvrer pour la foutre à côté. Mais... Ouais, parce que j'ai pris un jerrycan d'essence dedans pour. Oh là là, quel bain de sang! Pourquoi je suis barbouillé là, encore. Ah, bah, c'est mon œuvre. Il y a beaucoup de morts. Malade! T'es sûr pour la javel? Quoi? Bah, j'en bois tous les matins, je vois pas de problème avec ça. Ouais, mais là dans le jeu, t'avais testé? Ah non, moi j'ai testé dans la vie réelle. Dans la réalité. J'ai testé dans la vie réelle parce que tu vois, c'est ce que ma maman me donnait à boire quand j'étais jeune. Non, ça va aller, ça doit pas être ça. Ok, toi, c'est super dangereux. Et je lui disais à demain, maman. Elle fait, ouais, c'est ça, on verra. Ah ouais. C'est peut-être pour ça que je suis la déception de la famille. Au secours. Y'a quoi dans le coffre là? Voilà, j'ai commencé à vider un peu mon bordel dans le coffre. Et du coup, on peut remplir un jerrycan et aller prendre l'autre bagnole. Il est déjà rempli, le jerrycan. Alors on va aller à l'autre bagnole, hein. Viens Katox. Allez, je te suis. Je vais mettre des trucs. Putain. De mémoire, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Il y a que celle-là en fait. Attends, je sais plus où c'est qu'il y avait une bagnole. Ah, non, c'est où on a été tout à l'heure la deuxième fois. Alors, je vais me permettre de préciser quand même le signe que t'as intérêt à vider le coffre en arrivant parce que j'ai mis plein de trucs frais dedans. C'est où? Tu te souviens où on a été à peu près? Et alors, moi j'ai mis des batteries, la deuxième fois. Vider, le dentiste? Ouais, dentiste, mais si tu le vis dans 10 jours, je les pense... Les autres appartes. Oh, c'était un peu plus pour loin, la peine, je me tire. Ouais. Peut-être par là, non? Attends, viens dans le petit truc. Attends, je vide par terre, du coup. C'est bon, c'est là. Redescends. J'ai pas bougé encore, Stalin. Tu vis par terre sans que j'ai besoin de t'aider, je t'en rassure. Ouais, en fait, ça, j'avais pu. Je ciblais plus blanc, le truc, mais ça marchait quand même. Il est là. Je continue à vider.
Bon, ça, bah, de toute façon, on va arrêter cet épisode-là. J'espère que il vous aura plu. Je vais couper le moteur du coup. Et bah, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à tous. À plus. Salut. À plus les gens.